Nîmes 2e accueille le Gazélec Ajaccio 15e. Des Nîmois qui sont aux portes de la Ligue 1 Conforama. Une victoire pour valider une montée 25 ans après avoir quitté l'élite du football français. Nîmes qui reste sur une victoire et 2 nuls sur les 3 dernières rencontres. Les Crocos ont perdu un petit peu de temps, un petit peu de terrain, mais ils sont encore les mieux placés. Le stade des Costières est plein à craquer pour cette partie extrêmement attendue. Le Gazélec Ajaccio de son côté a déjà validé son maintien. Reste sur 2 victoires à domicile mais 2 défaites à l'extérieur. Une équipe corse irrégulière qui s'attend à subir dès les premiers instants du match. Et c'est le cas avec ce premier long ballon pour le Nîmes Olympique. Une première attaque dangereuse avec le centre de Thioub et la reprise de la tête au premier poteau de Rachid Alioui. 3e minute, déjà un score de 1-0 en faveur de Nîmes. C'est l'entame de match rêvé avec un tel enjeu sur cette partie. 16e but de la saison pour l'international marocain Rachid Alioui. Il est toujours aussi efficace. La défense du Gazélec est très relâchée et Alioui peut aller chercher ce but de la plus haute importance. Les Nîmois sont déchaînés et continuent à attaquer. Albert Cartier, c'est lui que son équipe du Gazélec va continuer à subir. Nouvelle possibilité pour les Crocos avec ce tir de loin et la parade de Maxime Cassara, le gardien de but du Gazélec. Les ballons reviennent fréquemment sur le but corse et notamment sur ce corner avec une nouvelle reprise de la tête et une parade magnifique de Maxime Cassara. C'est Ripard qui se procure cette opportunité supplémentaire. Le public est déchaîné et encourage ces joueurs qui ont besoin de marquer un autre but pour être un petit peu plus tranquille. Le voici à la 22e minute. Rachid Alioui s'offre un doublé. Un coup franc lointain et une balle déviée par les défenseurs corses. 17e but de la saison pour Alioui. L'un des meilleurs buteurs du championnat se retrouve à être le héros de la soirée, à marquer les 2 premiers buts de ce match si important. Et Nîmes qui poursuit avec Oumoud Bozok, le meilleur buteur de Dominos Ligue 2. Il bute sur Maxime Cassara et ne marque pas de but supplémentaire dans cette première période. Encore une chance pour Alioui sur coup franc. Ça part plutôt bien, c'est cadré, mais Maxime Cassara est toujours présent pour éviter une catastrophe pour son équipe car le Gazélec est très très dominé. Et à la mi-temps, Nîmes mène logiquement 2-0. La montée en Ligue 1 Conforama est toute proche pour les Crocos. Les joueurs de Bernard Blacard continuent à insister en seconde période. Coup franc pour Romain Del Castillo. Il réussit à enrouler cette balle pour un score de 3-0 après 5 minutes de jeu en seconde période seulement. Un 4e but cette saison pour Romain Del Castillo. 3-0 pour Nîmes. La victoire est déjà là et la fête immense aux Costières. Les Nîmois sont déjà en train de vivre un intense moment d'émotion. Mais il faut encore rester concentré. Et pourquoi pas rajouter un ou des buts pour que la fête soit totale. Voici une occasion de plus pour Sada Thioub. Mais il ne réussit pas non plus à marquer de but dans cette partie. C'est le poteau qui sauve le Gazélec Ajaccio. Nouvelle possibilité avec Thioub qui a changé de côté. Le centre en retrait. Et une tentative de ciseau acrobatique trop difficile, manquée. Qui permet ensuite au Nîmois de récupérer la balle et de marquer le 4e but. Il est signé Antonin Bobichon à la 68e minute. Quelle belle soirée pour Bobichon qui inscrit son 1er but en Dominos Ligue 2. Un but qui fait l'ultime différence. Une fête totale pour Nîmes. Le Gazélec Ajaccio s'incline 4-0 à Nîmes. Des Gaziers qui étaient 15e du championnat et qui le reste. Nîmes de son côté s'assure d'une 2e place avec ce succès. Et donc une remontée en Ligue 1 Conforama 25 ans après l'avoir quitté. Fête immense aux Costières.
Nîmes sera bien en Ligue 1 Conforama la saison prochaine.